Mesdames, Messieurs, bonsoir, j'espère que vous avez... Au cours d'une balade en mer... Provoquer l'ennui après avoir déchaîné les passions, c'est la loi des séries à succès. Chez les crossovers aussi, la banalisation guette. Mais ça, c'était avant que Toyota ne s'y mette. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Avec son physique de jeune premier, le CHR vise le haut de l'affiche, le haut du panier. Signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Ligne abaissée et garde au sol rehaussée, il multiplie les contrastes, mêlant la robustesse du SUV et le caractère effilé du coupé, à la fois sensuel et racé. Même vent de fraîcheur à l'intérieur, avec une qualité perçue digne des meilleures réalisations de la marque et un poste de conduite orienté conducteur pour privilégier les comportements intuitifs. Objectif, amplifier les sensations. Pour jouer cette partition, Toyota s'est aussi associé à JBL, partenaire des professionnels de la musique et du son. Pour le CHR, il a conçu un système audio sur mesure. Cette intensité, on la retrouve au volant. Mélange de précision et de douceur, le CHR brille par sa fidélité et la réactivité de ses réactions à chaque injonction. Pour ça, le conducteur peut compter sur le centre de gravité le plus bas du segment, avec des composants mécaniques moins encombrants, mais aussi moins pesants. C'est notamment le cas du propulseur hybride de Toyota. Taillé pour les trajets urbains et périurbains, sa quatrième génération s'offre un répondant plus naturel, plus tranchant et des rendements encore optimisés. Un full hybride résolument sexy. Oui, et facile à l'usage puisque sans les contraintes de la recharge. À noter qu'une version 1200 essence turbo est également disponible en 2 ou 4 roues motrices. Quelle que soit la version retenue, le dispositif Toyota Safety Sense est toujours de la partie. Avec un système de précollision et détection de piétons, un régulateur de vitesse adaptatif ou encore l'alerte au franchissement de ligne. Ça doit être ça le haut de l'affiche. Je me voyais déjà en haut de l'affiche.